Salut tout, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 et aujourd'hui sur Civilization 4, désolé, petit réflexe. Et aujourd'hui on prend Uruk. Trois archers-gardes de la ville. Nos prétoriens romains n'en ont rien à faire. Ils passent contre vents et marées. Ils gagnent. On a un grand général qui a apparu à Pékin. Pékin, ouais. Capitale chinoise qui n'est plus capitale chinoise. Qui est désormais une des grandes villes de l'Empire romain. On arrive dans le Moyen-Âge avec la mécanique. Et on continue avec l'ingénierie qui a permis d'avoir Notre-Dame, Notre-Dame que je voudrais. C'est une merveille très utile, je trouve. Alors, on a des gens qui servent pas trop. Il y en a encore un, bon, le dernier, on va pas le toucher. Ah, eux aussi, ils ont un général illustre, Washington. C'est-à-dire qu'ils ont fait pas mal de combats. C'est possible. Alors, bah profitez du réseau de route déjà créé. Et complétez-le. Il est assez complet en fait. Mais alors, c'est à Ganzhou qu'on utilise les trucs là-haut alors qu'il n'y a pas de d'infrastructure dessus. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Pourquoi il est arrêté surtout? Il a dû croiser un ennemi. Quoi? Hein? C'est une blague? Oui, j'ai attaqué un. Mais je le voyais pas. Il a dû s'arrêter parce qu'il y avait un vautour à côté. Et donc j'ai cliqué. Vautour, c'est les unités spéciales des Sumériens. J'ai cliqué et ça a attaqué. Bon. On a perdu un prétorien contre un vautour. Je pense que Kish, c'est pas moi qui l'aurais. Petite question. Est-ce qu'on s'attaque aux États-Unis, hein? En fait, il faudrait encore que je change le point de ralliement. Pour le mettre là, par exemple. Là. Ah. Point de ralliement de la ville. Voilà. Vous, tout là-bas. Allez-y. Donc on a laissé Eridu vivante. Tant que sa culture n'est pas gênante, on gardera Eridu vivante. Ici, j'ai une culture naissante. Beaucoup de mécontents. On va faire un phare après. D'ailleurs, faites le phare rapidement. Comment ça se fait? Oh, attendez, 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 attendez. À Aix-la-Chapelle, il y a une merveille qui s'appelle le Colosse. Colosse, et ça fait plus 1 pièce sur toutes les cases d'eau. Je croyais que c'était toutes les cases d'eau de la ville, moi. Sérieux, c'est top. C'est top le Colosse. En plus, sa ville, elle est vachement bien. Il y a pas mal de grosses ressources. Hein? Ah non, c'est trop loin. Ces deux-là sont trop loin. Ah, ça, c'est pas mal, hein, par contre. Bon, il y a quand même deux ressources. Là, il y a un bateau atelier, mais c'est trop loin aussi. Je crois qu'on va pas avoir le temps en fait. Donc, marche. J'ai peur que quelqu'un vienne me piquer la place, à vrai dire. Ah, Rome, y a des gens qui râlent. Comment on leur dit? Ne râlez pas, les gens. Ils râlent parce qu'il y a l'esclavage. En partie. Et ouais, et ouais, et ouais. Et bah on va faire une forge. Ça va les rendre un peu plus contents. Il y a moyen d'échanger. Ah, j'ai pas le libre passage chez les Aztèques. C'est curieux ça. Eux, ils veulent pas. Ah, d'accord. Bah, on ne passera pas chez les Aztèques.
Je pense à, est-ce que quelqu'un veut m'échanger des ressources? Alors j'apporte déjà des fourrures, ainsi que du poisson, et je pourrais récupérer de la soie contre du fer ou de la pierre. On va lui donner le fer. À Cyrus 2. Alors Cyrus 2, c'est pas forcément le plus intéressant à booster en termes de ressources, puisqu'il est deuxième actuellement, à peu près au même niveau que Chaka. Mais bon. Catapultes ont été détruites par les infiltrés, des ennemis infiltrés. Soit, je comprends que ma puissance. Non. Vous avez fait un petit village, faites autre chose dans un autre coin. Je comprends que ma puissance intéresse les gens. Cette ville-là, elle a trop peu d'infrastructures à mon goût. Une des infrastructures qu'on pourrait faire, c'est une ferme là. Alors, vous, c'est bien, mais vous arrivez trop tard. Vous allez repartir, je sais pas où. Il a du monde, Charlemagne, pour un état d'une ville. Oui. I will Le to my lord be féodalisme. true and faithful, and love all which he loves, and shun all which he shuns. Les Égyptiens sont en avance techno sur moi. Les autres, un poil. C'est surtout les Égyptiens. Alors. Il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes. Déjà, il n'est pas question de taper 6 troupes alors qu'on est 4. On est 5. Va falloir les laisser taper d'abord, du coup. J'ai refusé par défaut le système de vassalité. Mais ça m'intéresse carrément. Il y a encore un vautour invisible dans le coin là où j'ai dit à la troupe de passer là. Alors Chichen Itza, 53 tours. comment dire? D'accord, c'est l'anarchie, mais j'aimerais quand même avoir le Chichen Itza. Faites une ferme. Alors Uruk, il a déjà des problèmes de voisinage. On va lui faire... La mine est à lui. Ouais, la mine est à lui. Pourquoi il n'utilise pas la mine? D'ailleurs, au lieu de prendre le village, je devrais prendre ça pour l'instant. Alors, toi, tu dors. Vous, vous avancez. Toi, t'avances. Oh, j'ai gagné des chevaux. Hé hé hé. Hé 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 hé. Utiliser les chevaux. Qu'on fasse le Chichen Itza en un tour. Feu. Alors, Gilgamesh. Pas la capitulation. Comme tu veux, hein. Alors, lui, il tente de se rattraper. Je suis sûr qu'il pourrait accepter la vassalisation s'il nous aimait bien. Alors, en fait, je les ai complètement coincés si je fais pas ça. Ah, Chichen Itza. Plus 6 de culture en plus. Comme on l'a fait dans une ville à la frontière, c'est tout bénef. On l'a fait à Pékin. Pékin va pouvoir peut-être grignoter les cases, sachant qu'il a encore deux cases exploitables de l'autre côté de la frontière. Donc on dit pas non. Ça peut devenir une grande ville. Il a 3 ressources de luxe. Non, 4 ressources de luxe. Pas mal d'espace vert, de mines.
Alors, à Shanghai, il râle. Il râle plus, ils sont moins. Oh, il n'y a pas de plantation sur les bananes. Quelle drôle d'idée. 2%. Ah, j'ai une autre armée qui est arrivée? Ah, pas tout à fait. Il faut que j'attende encore une armée. Alors, eux, je suis parti du principe qu'ils n'arriveraient pas à temps, mais. Mais j'en suis plus si sûr. Alors, des archélons, ce serait un bon plan pour défendre la ville. Alors, Pékin. Quitte à être une grosse ville, limiter les coûts. On pourrait faire la cité interdite aussi. Ouais, là. Pourquoi tu te retrancherais pas, toi? Comme ça, t'empêcheras les gens de râler. Ici, faites un atelier. Pour l'instant, les ateliers rapportent pas plus que les forêts. Eh ben, les Romains, vous venez de signer votre arrêt de mort? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça passe si j'ai quasiment du 100% à chaque coup. Ce qui, en soi, peut se faire. Ou alors on attend les autres un tour de plus. On va attendre les autres un tour de plus. Ah, il est là le fameux vautour. Que je ne voyais pas. Ah, il y a une armée coréenne après. Donc va falloir passer à l'action. Ils sont déjà blessés, ils sont déjà blessés, ouais. Brémus a perdu une ville, alors que c'est lui qui a déclaré la guerre. C'est triste. Alors, fais un bâtiment culturel dès que tu pourras. Une plantation. Pour l'instant, ça c'est pas rentable du tout. Bon, il y a d'autres forêts qu'on va laisser intactes. Laquelle sera rentable au Moyen-Âge en fait. Quand on aura la tech qui fait plus un marteau pour les guildes. Alors, ah bah du coup il n'y a plus de vautour, vu qu'il a été anéanti. Les Romains, ils ont une armée là d'ailleurs. Alors, pour qui vote-t-on? Brémus plutôt que Hatchesbourg qui est assez puissante. J'ai pour habitude de voter pour les faibles en se disant que ça leur donne moins de pouvoir. Y a personne qui voudrait l'état vassal, Wangeon. Vous êtes fou. Ah, attendez, attendez, attendez. On va tenter un truc comme ça. Pourquoi il râle avec sa chapelle? Pour le fun. Faut croire. Bah, soit un marchand, la ville va rapporter plein de sous. Le colosse, c'était vraiment une bonne affaire. Du coup, ma capitale rapporte 3 pièces de plus par case de mer. C'est 3 grosses ressources. Là, il y a 5 pièces qui sont tirées grâce au colosse. Wouah, à Utrecht aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus de cases de mer. Et à Amsterdam. Il n'y a pas de culture.
Faites un monument d'abord. Ah, pour l'instant, c'est l'anarchie. C'est pour ça que j'ai mes villes. Je me disais, mais tout est super lent. Forcément, c'est l'anarchie. Quand c'est l'anarchie, c'est pas très très efficace. La production dans les villes, tout ça, tout ça. Alors, Brémus a gagné. Je dirais grâce à moi, vu que j'ai 106 votes. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas dans les possibles à élire. J'ai compris, parce que j'avais pas adopté la religion. J'aurais dû. J'aurais dû. Alors, là-bas. Ah ouais, on a des cultures envahissantes voisines. Par contre, pour l'instant, c'est 100% romain. Ah, faut que je fasse des catapultes aussi. Enfin, ce sera des trébuchets dès qu'on pourra. Alors, faut pas croire, mais ils vont perdre leur libre passage. Ah. Là, j'ai deux choix pour éviter les révoltes. Mettre mon armée à Prague ou envahir Eridu. Comme vous l'avez peut-être deviné, l'option envahir Eridu est celle qui a été sélectionnée. Ils ont détruit un truc là. Ah non, elle a été repérée. Ouais, parce que j'ai normalement je construis rien là quand même. Alors, coupons la jungle, coupons la jungle. Alors, je pense que j'ai une armée suffisante pour m'attaquer aux Romains. Y a toujours une armée qui se repose là? Ouais, bon, bah alors pas de problème. Charlemagne. Les autres. Toi, par exemple, j'ai adopté ta religion. Alors lui, il a beau être dans les derniers, en tech il est bon. Alors toi, j'ai pas ta religion, donc tu m'aimes pas. Ou plutôt regarder ceux qui m'aiment. C'est pas là du tout. Aperçu. Moi, je suis Jules César. Ça fait quoi ça? Ah, ça les classe dans l'ordre? Pas sûr. Alors, Charlemagne me déteste. Hachespour m'aime bien. Brémus m'aime bien. Wangeon m'adore. C'est Wangeon qui m'aime le plus. Il est favorable. Mais ta vassal s'en sort très bien tout seul. C'est le plus petit, celui que je pourrais le vassaliser le plus facilement. Mais il veut pas de moi. S'il était en guerre, dans une guerre difficile, il voudrait peut-être de moi. Mais c'est pas le cas. Charlemagne, toi tu m'aimes pas. Et tu vas le payer. Oh non, ça vaut pas la peine. Soignez-vous tous ensemble. Il a des éléphants de guerre quand même. C'est pas une cible facile pour autant. Alors par contre, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes dans sa ville. Ça me tente bien de la faire à cette façon. Hop. Comme ça on évite. Parfait. Même pas un mort. Enfin si, parmi les catapultes, mais on a perdu les deux catapultes. Je l'ai balayé, du coup les. Ah, c'est des éléphants de guerre à Tchespour. J'étais persuadé que c'était à lui parce qu'ils ont un drapeau qui ressemble, mais non, pas du tout. Comme ça, j'aurais pas à combattre ces autres troupes. À Prague, vous êtes désormais romains. Et nos armées vont maintenant aller envahir les États-Unis, hein, je pense. Bonjour les gars.
Alors, non. Nous n'allons pas juste les lâcher comme ça. Faites des bâtiments pour la culture. Faites des bâtiments pour le coup. Ça coûte 14 là-haut quand même. Waouh. Distance au palais, c'est pas mal. On peut voir les coûts des villes. Eridu rapporte 0. Toutes les autres sont en positif. On peut pas comparer les coûts dans ce tableau-là, c'est dommage. Celle-là, elle coûte plus que ce qu'elle rapporte, par exemple. Même si à terme, elle devrait rapporter beaucoup plus quand tu auras un sac d'or ici, un sac d'or ici et un sac d'or là-bas. Hop, là elle coûte moins. Celle-là elle coûte plus. Celle-là elle coûte 0, c'est normal. Là elle coûte peu, elle coûte peu. Ça coûte pas mal. Faire le tribunal plus tard. Là j'ai déjà fait le tribunal, c'est très bien. Pékin, c'est une bonne ville, très bonne ville, je dirais. Cette ville-là, elle est bien aussi, à part le fait qu'elle coûte très cher. Comme elle fait beaucoup de marteaux, ça contrebalance un peu. Celle-là rapporte peu. Mais il n'y a pas suffisamment de monde pour qu'elle rapporte beaucoup. Si jamais il prenait les 7 d'or, ça rapporterait. Ça financerait tout ce dont on a besoin. Eh oui, eh oui, eh oui. Et je suis en 30% recherche. Donc les villes rapportent moins que ce qu'elles pourraient rapporter. Là, vous faites le tribunal rapidement. Ici, un tribunal rapidement, c'est une bonne option aussi. Ça me fait 9 pièces par de moins par tour, du coup. Ah, mais j'ai pas regardé combien ça me coûtait en entretien. Le tribunal, il va réduire de 50%. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 8, je vais payer 4. Je sais pas combien je payais avant, peut-être 12. Si je payais 12, que je gagnais 18 pièces tout de même. En comptant la... Ouais, non, sans compter. Bon, ouais. En gros, 18 pièces. Je vais payer 4. J'ai payé 8 de moins et je gagne 9 de moins. Donc, c'est pas rentable. Mais à terme, ça le sera de faire le tribunal quand même. Alors, plaçons-nous là. Alors, on continue à défricher la jungle. Faites un tribunal, comme ça vous coûterez plus trop cher. Akish, pour l'instant, c'est une toute petite ville. Donc, avec peu d'options pour se développer, il va falloir que j'envahisse les voisins pour lui donner une puissance plus importante. D'ailleurs, ces voisins-là, les Américains, ils ont des archers longs. Ça m'arrange pas. Je peux faire l'ingénierie en un tour. On va la faire en un tour. Ah, on m'a rattrapé. C'est même flagrant, ils m'ont tous rattrapé sauf lui. Ils ont plus qu'une tech de retard chacun. Alors lui, il a dit hors de question. Très bien, on n'aura pas le je sais pas quoi. Donc ils ont tous les archers longs, sauf peut-être les Amérindiens, c'est ça? Et Shaka et Brémus. Et c'est tout. Les archers longs, c'est le contre-idéal contre mes prétoriens. Donc il va me falloir beaucoup de trébuchets pour contrebalancer. Bon, les prétoriens restent quand même très bien. Mais ça m'embête quand même. Je vais plus avoir la possibilité de faire des conquêtes aussi vite, aussi rapidement. Waouh. Memphis, ville fondatrice de deux religions.
et toutes les villes égyptiennes ont 4 légions. Et ils sont pas en liberté de culte pour autant. En liberté de culte, ça leur rapportera beaucoup. Là, ça leur rapporte juste la possibilité de faire des bâtiments de chaque religion. Mais en liberté de culte, ils auront plus un de culture pour chaque religion. Et les Égyptiens ont tendance à faire des victoires culturelles. Même si actuellement, ce sont pas eux les meilleurs, ce sont les Portugais. Qui sont d'ailleurs très bons à Lisbonne et mauvais sur les deux autres villes. Lisbonne est beaucoup plus grosse que les deux autres villes qu'ils ont. Le fait qu'on ait que trois villes, ça fait qu'il y a rarement des joueurs qui ont trois grosses villes culturelles. Chaka, il pourrait, hein. Il a quatre villes avec un grand cercle et c'est pas moi qui viens grignoter sa culture de grand-chose. Au contraire, j'ai par exemple là, j'ai un de culture. C'est pas beaucoup. À Shanghai, j'ai 5 et à Pékin, j'ai pas mal plus normalement. 10. Ouais, bon, pas mal plus. On repassera. Lui, il a moyen de faire une victoire culturelle pas trop difficilement. À moins que je l'envahisse avant. Eux, ils peuvent pas, ils ont que deux villes. Tous ceux qui ont que deux villes, la victoire culturelle, ils peuvent laisser tomber. Les Égyptiens, apparemment, ils ont une ville faiblement développée. Du coup, même si Thèbes et Memphis sont très bonnes, Héliopolis va leur donner leur retard. Les Mongols. Bekadish est sûrement un peu plus faible que les deux autres, mais c'est tout. Les Portugais, ils auraient moyen, hein, si jamais ils ont encore la culture actuelle, de faire une victoire culturelle sans trop de problèmes. Eux, pareil, ils défavorisent Susa au niveau des cases. Trois autres, ils développent. Non, ils pourraient. C'est juste que généralement, ils doivent faire des merveilles dans les mêmes villes. C'est pas là ce que je voulais voir. Comparativement, on a dépassé. Ouais, on l'a dépassé en score bien avant de le dépasser en puissance. Enfin, bien avant. Non, pas vraiment. Mais il est encore pas mal puissant hein, par rapport au. Le score est pas représentatif de la puissance. En score. Il est à moitié moins que moi et en puissance. Ouais, si grosso modo c'est à peu près la même chose. Je raconte des trucs pas tout à fait vrais. Égyptiens, Portugais, Perses, Celtes, Aztèques. Voilà. Et ceux qui font les merveilles, genre l'Angkor Wat et le mausolée d'Halicarnasse, c'est des méga merveilles niveau culture. Thèbes, ouais, il y a surtout des grosses merveilles niveau culture. Attendez, j'ai vu Thèbes. Quelle est la ville grecque? Ah non, Thèbes c'est égyptien, c'est Persépolis la ville. Ben non, la ville perse, pas la ville grecque. Allez, les villes grecques ne sont même pas parmi les 5 premières, alors qu'elles viennent grignoter ma culture de très loin. Bah, soit. Alors, je vois les Perses, et donc je peux me dire. Tiens. Ils sont pas très très bons. C'est des chances de repli, ça? Chances de retraite. Peut-être que les Grecs, c'est plus intéressant que les États-Unis. Hein. Qui sait? Hein? Je suis chaud pour partir en guerre contre les Grecs. Périclès en plus est. Non, ils sont aussi forts. Non, sérieux, on va attaquer Périclès. Mais d'abord, ne serait-ce seulement parce que Washington est de ma religion et que je voudrais pas me fâcher contre ceux de ma religion. Si je sauvegarde, il sait pas mettre l'accent. Du coup, lui, il écrit rien. Mais en vrai, il met un Y avec deux points. C'est des petits problèmes de gestion de fichiers de leur part. Parfois avec des prénoms avec beaucoup d'accents. Peut-être Périclès. J'avais joué à un prénom qui avait peut-être jusqu'à trois accents. Ça donnait un truc très bizarre. En fait, il n'arrive pas à savoir quel caractère correspond à. Quel caractère c'est ça? Du coup, dans l'écriture du fichier, il le met là. Quand il le met dans le nom de fichier, il l'affiche même pas. Bon, voilà. Alors, toi, tu restes là. Ah bah, il y a des trucs, des types juste à côté. On va les taper. A pas besoin de quelqu'un de très bon. Alors.
Il s'avère qu'en fait, c'est un arbre à l'étrier qui est prévu justement pour lutter contre mes troupes. Alors là, par contre, ils sont morts, rassurez-moi. Mort, mort, mort. Un, deux, trois. Ouais, bon, ils auront toujours autant de chemin à faire. Ça change pas. Là, tout le monde est fatigué. N'en allez pas là-bas. J'aurais pu laisser mes troupes se reposer plus. Ah, je voudrais ça. En 13 tours. Ça va le faire. Je pense que ma capitale est suffisamment bien pour créer Rome en une poignée de tours. Est-ce que j'ai maïs, riz ou blé? Riz. On fera ça. Une ville qui se convertit. J'ai pas pris religion organisée. Je pense pas que ce soit parmi les trucs les plus utiles. Donc toi, tu dors. Les autres, vous allez là-bas. Parce que c'est la ville la plus proche en fait. Washington a fait la paix avec Brémus. Ah, Brémus était en guerre contre Washington. Donc il est plus qu'en guerre contre les Perses. Ah non. Il n'y a pas eu de ville prise de ce côté-là. Ah si, 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 si. Non, c'était Brémus qui avait attaqué Washington. Et il a perdu la ville par là. Je vois très mal la région. D'ailleurs, je pourrais aller jeter un coup d'œil. Par là. Alors, les ouvriers que j'ai chopés vont me couper la jungle. Toi, tu vas être remplacé par les deux autres. Et cet ouvrier-là, il va faire ce qui lui plaît. Tant qu'il détruit pas les bâtiments. Ici, ça sert à rien de faire une mine, c'est une case inexploitable. On peut faire un truc près de Pékin. Mais il faudrait laisser des forêts à Pékin quand même. De façon à ce qu'on ait du soin naturel. Forêt plus 3. On peut toujours construire un aqueduc à la place. Ce serait peut-être la technique la plus simple. Bah carrément que je veux bien. Merci à toi. The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy. Alors, Périclès. Ah bah non. S'il veut bien échanger avec moi, c'est parce qu'il est en guerre. Hatchespur. Donne-moi ton or alors. Hop. The wisest men follow their own direction. On peut faire des ports maintenant. Et maintenant j'ai une tech d'avance sur tout le monde. Même si y en a certains qui ont l'esthétique ou la philosophie, voire la théologie. Je pense que les Amérindiens ne sont pas aimés et que les gens refusent d'échanger avec eux. Non, c'est aperçu. Amérindien. Je sais pas où c'est la perception des gens. Périclès me déteste. Et en revanche, moi. Attendez, c'est moi là. Ah non, c'est les Amérindiens. Alors. Rapport avec Brémus. Il est en colère envers Brémus. D'accord, donc c'est là qu'il faut que je regarde. Alors que Brémus, par exemple, est moins en colère. Parce qu'il aime la doctrine qu'il a choisie. Alors, il est beaucoup aimé par les Portugais.
détesté par les... par Moctezuma et apprécié par Hatshepsut en gros. Moi j'ai... Lui il a plus 4. Pire ennemi avec Shaka. En même temps je veux pas me mettre Shaka à dos. Niveau religion, Cyrus, Shaka sont juifs. Et je suis en train d'attaquer le chef des juifs, mais bon. Moctezuma a déclaré guerre à Silingmunk. Forcément là il s'aime plus. Hein. Il est où Moctezuma pour en dessous. Moctezuma je le connais pas parce qu'il veut pas me laisser les beaux passages. Il est bouddhiste et il est seul bouddhiste. Et ça lui pose pas de problème. Tout le monde a une religion partagée. Ah pas. Enfin. Il y a Jean II du Portugal et Stillingbunk qui ont le confucianiste et tous les autres sont juifs ou hindous, sauf lui qui est bouddhiste tout seul. Bon. D'ailleurs, c'est fou. Alors, je pense que. Ouais, les Égyptiens ont créé des religions qui se sont répandues, le confucianisme plus que le catholicisme apparemment. Du coup, il y a des gens qui ont la religion des Égyptiens, alors que les Égyptiens ont la religion, une religion qu'ils n'ont pas fondée. Pour être copain-copain avec les gens, j'imagine. Oh, il n'y a personne à Athènes. Faut bondir sur l'occasion. Et je pense que c'est l'heure de s'arrêter. Oui, carrément. Je vous retrouve dans le prochain épisode.